Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on est en live, on continue notre run en hard, le dernier mode de difficulté, je sais plus, le bien triomphe toujours, un truc comme ça, qui est bien tendu, mais avec cette team, ça passe plutôt pas mal, pour le moment en tout cas. J'ai fait quelques level up, enfin quelques augmentations de stuff et mettre les points de skill sans vous. Là j'ai 5 points de talent à dépenser, ça va nous permettre d'aller chercher l'aveuglement qui est un stun. Un stun d'un tour, je pense que ça va être très très utile. Et je pense qu'on est pas mal. Les persos ici, il y en a... Bon, en vrai, il y en a deux qui heal. Mais ils servent à rien. Toi, il faudrait te passer level 5. Donc on va aller prendre lui. Qui est level 3. Et on va te mettre là. T'es à combien du level 5? Je crois qu'il te manque genre 4, un truc comme ça. Non, 2. Oh, on aura une autre liche level 5 ici. Donc ça, c'est très très bien. Donc vous, on va vous mettre là pour que vous n'embêtez pas pour le moment. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque une liche potentiellement. Ça, on est déjà maxé. Ça, c'est pas très très utile. On pourrait avoir plus de pièces ici. Ça et ça, ça peut être utile. Un objet aléatoire. Craft pour avoir plus de persos qui XP. C'est vrai, je pourrais mettre les 3 XP vu qu'ils sont tous les 3 full life. C'est... Ouais, on va aller faire ça. On va au moins faire ça. Ça. Ouais, c'est pas bête. C'est une bonne remarque. Les morts. Et du coup, ça va me permettre de mettre à XP. On va voir où vous en êtes dans vos XP. Toi, 2 pour passer level 5. Et toi, il manque beaucoup. À mon avis, toi, tu vas pas forcément servir. Ok. Parce qu'il est possible que si on en a besoin, on en recrafte un meilleur que lui. Donc peut-être qu'il servira à autre chose. Ça, après, ça coûte 60. Donc non. Par contre, on pourrait faire ça. Ou ça, ou ça. On va laisser comme ça pour le moment. Pour le moment, on va laisser comme ça. Et au niveau des artefacts, on va mettre ça. Cela embellit mes traits de mort vivant. Ça, pour le moment, non. Ça peut faire un stun gratuit. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre sur le boss, j'ai oublié. Ou alors, je l'ai gagné sur le boss. C'est possible aussi. Et bah, let's go. Donc, les nains, ça va être une nouvelle... On va voir. Le problème, ça va être les crits, comme d'habitude. Ok, donc lui, il fait peur. Hop, hop. Qu'est-ce que j'ai oublié? Fabrique une archère pour le sacrifice. Pourquoi? Il y a un sacrifice derrière? Bon, on la fabriquera après. Parade, nickel. Parade, parfait. Ça commence, t'as combien? 26% de crit. Non mais ce jeu, c'est un jeu de menteur. Ok. Allez. C'est bien, j'ai pile 40. La décomposition. Ça par contre, c'est pas bien du tout. Ça c'est vraiment vraiment pas bien. Et là, on va croiser les doigts pour pas se prendre des grosses baffes. 58 le critique quoi. Mais ces dégâts totalement insane. Bon, lui, il peut mourir quand il veut hein. Je ne m'en lasse jamais. Allez. Donc là, on veut lui. Hop. Donc le tue pas. Pas tout de suite. Attends, juste un tour. Nickel. Ah non, par contre, c'est lui qui joue avant. Donc on va faire ça. On va faire
ça. Ok. Et bah c'est pas beau ça comme premier fight de l'étage 2. Oh l'amulette. Oh l'amulette. Attends, j'ai quoi pour le moment? Réduit les coups critiques ennemis ou alors plus 20 HP à tout le monde. Ah! On va mettre plus 20 HP à tout le monde. Hein. Ça m'a l'air mieux. Hein. Cet objet voilà, enfin la safitude. La safitude. Eh, mais j'avoue que la robe d'archimage, même si j'ai l'autre robe que je préfère là, qui me donne ma stat, j'avoue qu'enlever un hospice en début de combat à tout le monde, c'est assez fort en fait. Hein. Bah les coups critiques, vous préférez réduire la force des coups critiques? Ah c'est vrai qu'ils en ont tellement, c'est pas faux. ...20% les coups critiques. C'est la force des coups critiques. Donc au lieu de faire double dégâts, ils font 180%. Sur une attaque à 32 bases, au lieu de faire 60, ils vont faire... Attends, ça va faire combien? 10%, c'est 30. Donc ils vont faire 54. Non, je pense que les HP, c'est mieux. 60, c'est 48? Non, 20% de 200%. Pas 20% de... Je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas que je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas si c'est... Ouais, je sais pas. D'un côté, c'est bien. D'un autre, ça, ça me laisse plus d'amplitude. Et ça me permet d'être plus safe pour rentabiliser le heal derrière. Non, mais 10% de 60 dégâts. Est-ce que, vu comment c'est marqué dans le... Attendez. Non, mais j'ai pas de... Quand c'est les coups critiques, c'est marqué que ça fait 200%. Donc, si tu réduis de 20%, ça fait 180% en fait. Donc à mon avis c'est 180%, donc c'est pas moins 12. Je pense que 20 HP est mieux. Après, c'est pas sûr. Alors là on est 2 points. On va chercher quoi? Qu'est-ce qu'on va chercher? Non, non. Invoque une ombre, non. Donc je pense que magie, on n'a plus rien à aller chercher. Je pense qu'ici, c'est un peu tard. Ça, ça peut être intéressant. Ça, il va peut-être nous le falloir quand même. Il va peut-être nous le falloir. Donc ouais, moi, je suis plus team 54 que team 48, mais je peux me tromper. Ça, ça peut sauver des vies. Sinon, on va chercher ça. On va chercher le heal. Surtout qu'on s'en fout de les heals en face. Ah non, mais il faut complètement le heal en fait. Je sais pas pourquoi je l'ai pas pris, j'ai pas pensé avant. Il faut complètement le heal. Mais oui, il faut complètement le heal vu qu'on s'en fout des HP des mobs en face. Ok. En vrai, on n'en sait rien, oui, c'est ça. Bon, le reste est un peu useless, mais on veut complètement ça. J'ai besoin que le marin. Et on ira chercher ça. Ok. Bon, où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Je dirais pas que je l'avais dit, mais je l'avais dit pour le heal. Oh, bah tu sais, il y a plein de gens qui ont dit plein de choses. L'XP, c'est très fort. Donc si on fait XP, en plus on peut aller chercher l'XP ici et on peut éviter tous les élites du monde si jamais on a envie. Et bon, on va faire ça.
Là, il y a un coffre en plus, ça peut être sympa. Alors que vous êtes occupé à fabriquer un squelette, un messager interrompt votre concentration. Entre deux de vos serviteurs, un nain léthargique rampe à vos pieds. Il vous tend une offrande et en promet davantage si vous acceptez de parlementer. Il s'avère que certaines organisations naines ne sont pas satisfaites du statut dont profite la guilde des alchimistes. Elles pensent également pouvoir s'allier à un nécromancien, mais vous ne les priverez pas de leurs illusions. Je peux demander un objet. Je peux leur demander des cadavres frais. Et je peux demander connaître les agissements de vos ennemis vous donnera de l'initiative en combat. Alors attends, est-ce que c'est un buff temporaire ou est-ce que c'est un buff permanent? Si c'est un buff permanent, c'est assez cool. Hein. J'ai jamais assez d'initiative. J'ai jamais assez d'initiative. Si je peux toujours jouer avant les autres, c'est toujours très très bien. Vu le jeu, ça peut être perma. Oui, je pense que c'est perma, ouais. Ou dans toute la zone. Bon, de toute façon, on peut avoir on va tester. Durée 3 combats. Ouais, c'était pas terrible. Tant pis. Bon, on saura. Non, c'est juste 3 combats. C'est dommage, les autres fois, ils l'ont dit quand c'était temporaire. Il y a vraiment un souci de minutie et de détails qu'ils ont dans les textes dans le jeu. Ok, et bah let's go. En plus, plus 1 pour 3 combats, quoi. Le truc nul. Ok, donc là il y a 2 zerks. Bon, ça va pas changer ce qu'on va faire. Tant pis, hein. On va pas plus fort. Hop. Oh mince, tu heal toi. Oh, c'est pas bon ça. Ah ouais, si, heal. Oh, c'est pas grave. Ok. Donc lui a plus de parade, ce qui est embêtant. Du coup, on va faire ça. Quoi. Ok. On va vraiment dépop l'huile plus rapidement. Une alliance de moins dans le monde. J'aime bien cette définition de rapidement, ça me va. Ok, au moins ils ont pas fait de crit. Très bien. Très très bien. Et on a chopé... Ah, l'étendard des ténèbres. Ah, le petit étendard des ténèbres. Ah, là 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 là. Ça heal de 15% de vitalité. Par contre, on perd 4 crit, 4 précision, 4 évasion. Alors, le 4 crit et 4 et précision, je m'en fous, mais le 4 évasion, c'est pas dégueu. Qu'est-ce qu'on en pense ? J'aime vraiment bien le fait de me heal de 15% de HP. Hein. Ça permet d'enchaîner beaucoup plus facilement. Ouais, non, c'est mieux.
C'est mieux. Et ça sur les boss, bien évidemment. Donc là, on va pouvoir choper ça, qui devrait nous faire un joli up aussi pour lui, justement, qui galérait. Ouais, surtout sur l'âme. Ça peut être problématique sur l'âme. Ici, je pense qu'il n'y a rien de spécial de nouveau. Donc toi, t'es passé level 5, c'est cool. Toi, t'es passé level 5, c'est cool. On est à 3 points, donc on va pouvoir aller chercher. T'es ouf. On va aller chercher ça. Et dans 4 points, on pourra aller chercher ça. Ok. Là, on a ça. Toujours pas, si seulement on l'avait l'item. Les ennemis, ça, on s'en fout. Ça. Ah, mais c'est une arme de toute façon. C'est là où il y a l'étendard. Suis-je bête? Pour mon futur royaume. Oh, j'ai pris ça. On a quoi? Ouais. Ça fait un artefact quand il y a un mort. Ça peut me permettre d'avoir les shackles. Je me sers pas du skill. Donc on va faire ça. Ravissant. Ok. Comme t'as déjà des persos pour faire une rotation, je pense que la régène n'est pas ouf. J'ai pas tant que ça les persos pour faire une rotation. Eux, ils sont à des années-lumière. Hein. Ouais, je sais pas. Et pour l'âme, c'est vraiment très très bien. Ok, donc le géomancien va nous tirer plein de trucs, ça va être très très embêtant. Ok. Allez, hop, 5%, ce serait tellement bien. Ce serait tellement bien. Voilà, lui il ignore les... Oh, et puis il bouge. Oh, c'est bien. Merci beaucoup Lumfa pour les 11 mois, 1 mois des 2 ans, merci beaucoup. Des 1 an, je sais plus compter. Merci, merci. Ok, donc ça c'est plutôt cool parce que... Ah non, ça c'est pas cool du coup. Ah bah non, c'est pas bien. Comment je peux faire? J'ai pas le choix. Hein. Okay. Donc l'hospice qui saute, c'est cool. Là, c'est cool aussi. Même si ça aurait été mieux de le faire en fin de tour, je pense. Donc là, c'est le moment où il va être méga dangereux, le Billy. Du coup, on va le faire maintenant. Pour le passer à zéro. Plus de chances qu'il meure. La décomposition. La corruption. Ok. L'oubli. Aïe. Tu veux pas en tuer un quand même? Il veut pas. Bah, celui en 4, histoire 2. Il y en a pas un qui veut mourir, quoi. Une fraction de mon pouvoir. Merci. Par contre, tuez pas les deux. Laissez-moi un vivant au moins. Balancez-le avec okay. Le reste. Non, bon, tant pis. Et là, on va être content d'avoir le heal. On va être très content d'avoir le heal. Ok. Un sort. C'est vrai que je fais pas beaucoup de sorts. Faudrait que je fasse des sorts. Donc lui qui est passé level 6, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on veut? Précision, on est qu'à 90%. Par contre, ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de précision. Ça, c'est toujours bien. Et l'esquive, c'est cool. Mais je pense qu'on va quand même prendre la précision. Ici, on se retrouve en position 3, ça peut aider. Allez, on va faire ça. Auront une mauvaise surprise. Ok. On est à 2, il nous manque 2 points. Je pense pas qu'on veuille XP Nobili. Non,
Non, je pense pas qu'on veuille XP Nobili. On va continuer de prendre du bon XP. Ok. Ça nous fait passer à 4. Et du coup, maintenant, on a le magnifique île. Ce sera nickel. Un massacre sans précédent. En utilisable, on a ça et ça. On va mettre ça. Donc là, on a le heal. On a le heal qui peut nous sauver. Tu avais fait un chevalier pour commencer avec plus de rage. Oui, c'est vrai que je l'ai pas mis du coup. Il est là. Tous les guerriers rendent hommage aux anciens dieux. On a besoin d'un cavalier sans tête. On va faire ça. Je suis un petit cavalier sans tête. Encore leur faire appel directement. On va prendre des petits vampires. Il y a largement assez pour te nourrir. Si tu tolères la puanteur des mortels. Tu m'as bien mis des trucs gris, hein. Oui, c'est bon. Hop. Voilà. On va là. On va là. Une brique après l'autre. Ah, il va même me manquer un autre vampire en vrai. Il faudrait même ça. Bienvenue parmi mes troupes sans souffle, maîtresse de la nuit. Oh mon cœur, quel charme okay. Irrésistible t'octroie cette pourriture. Ok. Ok, voilà, on est pas mal, on est pas mal. Il y a juste ça qu'on n'a pas construit. On pourra le construire à un moment. Il me reste combien? Je pourrais le construire. Oh vas-y, vas-y. C'est ça qu'il fallait, c'est ça qu'il fallait. Je crois que c'est ça qu'il fallait. Bien, ma chérie. Il est l'heure de te produire. Ah. Ah. Ah, ça marche aussi, ça. Bienvenue chez les vainqueurs. Ok. Merci beaucoup, Phylloxera. Merci, merci. Pour les 6 mois en plus. Une belle icône de sub. Ça, tout ça. Les eaux entourant ma tombe. Ok. Voilà, tout est construit. Ah non, il y a ça qu'on n'a pas construit. Je peux m'en servir. Ok. Les vampires, c'est mes bureaucrates. Ah, mais c'est une ville de vampires. Hein. C'est une ville de vampires. De vampires et de dampires. De dampires. Ok, on est pas mal. On est pas mal du tout. Il nous reste un point. Maintenant qu'on a acheté ça, faut qu'on réfléchisse à ce qu'on veut derrière. Furie aveugle est plutôt cool. On s'en fout des bonus des chevaliers noirs. Ça, on s'en fiche. Ça, ça peut être intéressant aussi. Enfin, surtout pour avoir ça, en fait. On n'a pas vraiment beaucoup plus souvent 50 de rage. Ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. Ça, c'est bien, mais c'est loin. Mais peut-être que ça peut valoir le coup d'aller le chercher quand même. En fait, je pense qu'on va aller le chercher. Vu qu'on se gaffe plutôt pas mal de points, j'ai tendance à dire que 10 de rage de moins sur l'ulti, pour être sûr de placer un ulti rapidement, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Les deux trucs avant servent pas, mais bon... Ah, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien, on va aller le chercher. C'est bien ça, hein. Tourneront au rouge. Allons le chercher. Même si ça sert que pour lui, mais c'est quand même pas mal. Ok. Donc là, on a le choix entre un combat d'élite, mais le combat d'élite nous fait louper l'XP. Donc non, on va aller par là. Le sort avant est pas si mal. Oui, celui juste avant, c'est vrai qu'il est bien. C'est vrai qu'il pourrait passer. Mais bon, on veut garder pour le heal, je pense. Ok, c'est parti. Ok. Parade, nickel. Parade, parfait. Faut que je change son skin. Parade, toujours très bien. Lui, il va nous les briser et il va enlever. Ça va. Il a enlevé une seule hospice, c'est pas mal. Oh non! Ça peut pas se faire en position 4. Donc toi, il faut que tu ailles en position 4. Mais comment tu vas faire? Ah si, t'as ça que tu peux faire, c'est pas mal.
C'est un peu relou. Pourquoi tu attaques les nains? Parce que tu joues les méchants, en fait. Tu joues un nécromancien qui veut aller conquérir le monde. Et tu passes par la strate des nains. Bon, il m'a un peu embêté, là, le géomancien. Il m'a un peu mis dedans, je trouve. Hein. Donc, je peux faire ça pour le faire bouger. Je peux faire ça pour avancer. Ça va ralentir un peu, mais bon. Donc là, j'ai pas le choix. Oh, c'est tellement pas bon, ça. Ah, il aurait peut-être résisté. Ok. Donc attends, là c'est un nouveau tour. C'est un nouveau tour, donc je veux jouer à la fin. J'ai rien qui me fait avancer, donc je veux jouer derrière et là je veux reculer. Et reculer en faisant quoi? En faisant ça sur lui qui a déjà pris des dégâts. Ok, bon, c'est pas l'extase, on a vraiment perdu beaucoup de temps. Est-ce que tu me remélanges les Billy? Je vais péter un câble. Ok. Ouf. Faut que je le sorte lui. Ok. Faut absolument qu'il meure lui. Yes. Quand même. J'ai tellement rien. Je peux pas le faire sur moi. Non, je peux pas le faire sur moi. Ok. Heal lui. Donc si on prend pas de dégâts avec le 15% de heal, normalement on est bien. Par contre très relou hein, là le fait de bouger tout le temps. Je peux pas le faire sur moi, c'est tellement relou. Ça on peut pas. Et ça, ça sert à rien. Pourquoi tu veux que je fasse un sort? Profite des derniers battements de ton cœur. Alors, est-ce qu'on va arriver? On va faire ça. Hop là, mon but c'est de me heal. Pour sortir l'alchimiste. Non mais je suis pas en danger là. Je suis pas du tout en danger. C'est très compliqué de reprendre une position en vrai. Si je dois pas heal, ça va. Okay. Voilà, maintenant on est bien.
Faut juste qu'à un moment il accepte de mourir, voilà. Bon bah très bien, ça s'est bien passé. Malgré le mélange, ça s'est plutôt bien passé. Ça c'est cool. Ça, j'ai... Ah tiens, un cerveau de level 5, très bien. Très très bien. Ce qui est bien là, c'est qu'on est vraiment en train d'emmagasiner pas mal de choses. Et si jamais on perd un Billy, en vrai, on peut se remettre bien derrière. Pense au skin de la Lichouet. Je vais faire ça. Ok. Donc elle, elle est presque level 6. Le level 7 se rapproche. Le reste, c'est loin. Là, on a chopé ça qui sera bien sur un boss. Même si ça sera probablement mieux sur un boss, ceci dit. Donc je crois que là, on a un sacrifice à faire. Non, on a une quête. On va aller faire la quête. Et on verra pour la suite. Tu peux stun le géomancien. Ouais, c'est vrai, ça coûte que 30. Mais je me disais que ça passait bien sans. Que mangent les nains sous terre? La réponse, des champignons. Les nains des temps anciens ont appris à les cultiver et ils sont depuis le secret de leur vie souterraine. Ils sont utilisés dans l'alchimie, la médecine, la bière et le repas de base. Vous avez toujours considéré une telle vie comme absolument misérable. Délivrer les nains de leur principal mode d'alimentation serait donc... Vous leur rendriez service, en fait. Ils n'auront plus à manger une fois morts, alors que votre armée se tient à la lisière des fermes fongiques naines, vous lancez l'attaque. Alors, je peux rendre les nains plus faciles à tuer ou... Je peux affecter leur santé mentale. Bon, moi, je veux affecter leur santé mentale. Tous les ennemis perdent 20 santé mentale en combat. Allez, bim. Bim. Eh ben, on y va. J'ai rien à mettre, là. Non. Tac. Ok. Toi, je sais plus ce que tu fais. Mais probablement des trucs pas cool. La marque, ça fait quoi déjà? Perd toute l'initiative et évasion, les attaques de mousquetaires infligent des dégâts supplémentaires, la marque disparaît lorsque la cible se déplace. Ok. Alors, est-ce que tu fais un truc relou, toi, ou pas? Double marque, ça a pas l'air bien. Attends, on va voir ce que c'est, parce que ça fait un peu peur. Les dégâts subis sont doublés. Ça me fait un peu peur. Je vais peut-être l'enlever, hein. Les dégâts subis sont doublés, pas d'évasion, plus d'initiative. Mais ils ont pas de buff, c'est un peu dommage. Mais bon, ça me fait peur. La fin de la magie. Tu viens de gagner un hospice, t'as fait comment? On va en enlever un. T'as plus tes hospices. Oh, c'est beau ça. Oh, ça c'est bien ça. Donc là, on veut te mélanger à la fin du tour. On veut mettre ça ici. Ok. Ce combo. Ok, bon là on est bien du moment qu'il crit pas. Donc sur lui. Profite des derniers battements de ton cœur. Nickel. Une nuisance de moins dans le monde. Et bah parfait. Parfait, parfait. Un petit crâne violet. Bon, par contre, les cerveaux niveau 2. Ah non, il y a deux cerveaux niveau 4. Ah!
C'était donc ça, les deux. En fait, c'est pas des cerveaux niveau 2, c'est deux cerveaux niveau 4. D'accord. Du coup, ça donne quoi en cerveau, là? Ça donne que j'ai 3 cerveaux niveau 5. Je suis bien en cerveau, en vrai. Hein. Je suis pas mal du tout. Hein. 2 points. Et on était en train d'aller chercher quoi? On était en train d'aller chercher ça. Je le Il nous manque 4. Avec cette fureur. Là, on va... on va continuer d'aller chercher l'XP. Donc on va bastonner. Parce que j'ai autre chose à faire en attendant. On est à combien? On est à 45. Ça aurait bien que je le construise parce que c'est pas joli en vrai. Alors vas-y, on va le faire. Blanc, on va faire un d'empire. Maintenant que tu es de mon côté. Et donc toi, ça embête un peu d'en perdre deux. Et dis davantage. Mais c'est pas forcément utile. Au moins, on aura tous nos bâtiments de construits. Et ça, c'est beau. Voilà. C'est vachement mieux. C'est vachement mieux. 4 cerveaux 5. 4 cerveaux 5. Il y en a eu 4. Ah oui, 4. T'as raison. T'as raison. Ici, on n'a pas chopé de nouveaux trucs. Là, non. Bah let's go. Donc là on va aller chercher l'XP ici. Il y a elle qui a level up, j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'on veut? On veut probablement du HP. Niveau initiative on est bien. Ça peut être sympa aussi, mais je pense qu'on veut juste du HP. Que tu valais l'investissement. En vrai, je pourrais la stuffer, elle. Hein. Mais elle est déjà en bleu. Attendez, on va regarder un petit peu. J'hésite. Donc, alors, attends, t'es où la liche? T'es là. Donc il faut du crâne. Du crâne, on a ça. 5 chances de initiative, 6 vitalité. Alors c'est bien pour l'initiative. La vitalité, c'est correct. La chance, bof. On va faire un autre crâne juste pour voir. Ah, le parfum d'une alchimie réussie. Ah, 2 initiatives, 2 résistances, 1 parade, c'est beau. C'est très très beau. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on a quoi? On a les os, c'est ça? Os, poussière, fringue. Os, poussière, fringue. On en est où? Os. Oh, un squelette nettoiera plus tard. Bof. Ce n'est pas la pierre philosophale, mais ça suffira. Un peu mieux. Pas exceptionnel. Ah, le parfum d'une alchimie réussie. Bon, attaque me sert pas. Effroi, c'est bien. Chance, évasion, précision, c'est pas horrible. Et sinon, il reste poussière, haillon. Poussière, on en a un. Avec de la résistance et de l'évasion, pas terrible. Ce n'est pas de l'or, mais ça suffit. En faire qu'un seul. Oh, un squelette nettoiera plus tard. C'est moi ou c'est le même? Avec un d'évasion de différence. Merci beaucoup le jeu. Merci les haillons. Ce n'est pas la pierre philosophale, mais... Ah ça c'est ça beau suffira. Ça c'est beau. Un parade, 5 chances, 8 précisions, c'est très très beau. Faisons un autre en violet et garde celle-là en réserve. De quoi? Là mon seul problème c'est ça. Après, je peux faire une liche level 5 violette, hein, mais c'est dommage, level 5, quoi. Là, on a quoi? On n'a rien de très, très intéressant. On a ça qui est très mignon. Ah, vas-y. Là,
C'était un peu la loose, mais pas tant que ça. On veut pas de l'attaque. Chance, évasion, précision, ça m'a l'air bien. Ou alors, chance, effroi, attaque. Non, on veut de l'évasion. Évasion, précision. Là, ça c'est très bien. Et notre seul problème, c'était ça. Ah, j'aurais pu mettre la Liche Bleue en réserve, mais non, elle mérite d'avoir du stuff violet. Tac. Après, d'un autre côté, sur qui ils me serviront? Jamais personne. Donc, de toute façon, tant que je les utilise. 5, 4, 4, 6. Bon, du coup, t'as le droit aussi, hein, maintenant t'es violet. Ok, donc là, on est en full team violette. Ah, j'aurais pu faire un item violet. Fais voir, c'était quoi comme item? Ça aurait été plus 5 évasions, un avantage. De toute façon, c'est pas ce qui m'intéresse, donc... Ok. Bon bah... Allez, on y va. J'ai rien d'autre à faire? Non, j'ai rien d'autre à faire. On va faire ça. Bon, lui, eux, ils vont être tous les deux relous. Ils vont être tous les deux relous. Non, il n'y a rien au-dessus du violet. Et vu qu'il y a 5 niveaux, c'est ça qui est un peu bizarre aussi. Pour l'instant, il n'y a rien en tout cas. Mais le jeu, normalement, t'as 5 niveaux. Là, il n'y en a que 3 dans l'early access. Mais je suis déjà full stuff au niveau 2. Donc, je sais pas ce qu'ils ont prévu après. Ça, après. Bon, ça fait un peu peur, là, quoi. Je vous préviens. Un seul crit, heureusement. Deux crits, d'accord, merci beaucoup le jeu. Pas de crit, ça c'est bien. Et c'est lui qui me fait un peu peur. Ah oui, il met ça, donc ça va en fait. Ça devrait pas poser de problème. Ok, on peut déjà faire ça. Du coup, il perd sa posture. Parfait. Ça. Hop. On peut passer le tour pour augmenter l'efficacité, mais je pense que c'était bien quand même. Ok. Par contre, ça les a pas bougés. Ah si, c'est le reste. Ma volonté est la marée qui emportera vos pathétiques civilisations. Oh! Hop. Allez. Tac. Alors ça. Ça, c'est le up de ouf, ça. Ça veut dire que les mobs ne peuvent plus avoir de motivation. Ils n'auront que des démences. Donc, plus les gros heals de... ça, c'était obligatoire, ça. Ça, c'était méga, méga important. Level 7. Level 7. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? On est à 8. Mais moi, ça m'intéresse que tu joues rapidement. Mais par contre, le plus 2 est bien aussi. Mais je pense qu'on veut l'initiative. Parce qu'eux, on veut qu'ils jouent avant eux deux. Et souvent, ça me fait passer le tour pour qu'ils jouent après. Donc je pense qu'on veut l'initiative. Voilà, 10 d'init, on est à combien? 8, 10, 6, 10. Ouais, lui a trop d'init en vrai. Lui a trop d'init. J'ai quoi en violet en réserve? Absolument rien pour lui. Rien du tout.
Et rien de rien. Il y a trop d'init. Mais bon, c'est pas grave. Ok, bah nickel. Et lui a clairement pas assez d'init. Mais c'est ça qu'il faudrait enlever si à un moment j'avais de l'init. Non, on n'a rien de nouveau. Hein. Ah, yes. Ah oui, il y avait ça avec de l'init. Mais j'ai eu mieux. Ouais, mais ça, c'était trop bien. Donc non, et le crâne on peut pas, le crâne il est parfait, et ça il est très très bien, donc ouais, ça avec de l'init ce serait l'idéal. Mais pour l'instant on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas. On a un point dépensé mais il nous en manque 3, bon let's go, on continue. Hein. Tu pourrais essayer de faire de l'objet avec des init, de l'init? Non, parce que à l'init je préfère largement perdre un de d'hospice ou un de parade, non l'init, non merci. Bah, je suis très très content d'aller me heal. Ok. Let's go. Non, si ma team meurt, c'est pas la fin de la run. Si ma team meurt, j'en fais une deuxième. Sachant que j'en ai déjà une moitié de prête. Elle sera level 5, quoi. Ok. Les deux vont pouvoir jouer avant. Donc on va faire ça. Alors ce qui est génial, vu qu'on commence à 24, dès que j'ai l'amélioration, je suis sûr de pouvoir faire mon ulti dès le tour 1. Ça va. Ça va. Donc là, il prend la position. Donc c'est Osef total. La posture aussi. Donc là, on est bien. Nickel. Bon, on continue. Hein. Non, c'était seulement deux fights, le malus de santé mentale. Ok. Restera de quoi réanimer. Allez. C'est une source sûre de cadavres. Au pif. La barre violette, c'est le stress. Ouais. Donc lui, il veut fuir. Mais il veut mettre un petit 38 avant. Je ne m'en lasse jamais. Alors j'aimerais bien pouvoir me heal. De toute façon, il va fuir. Donc on va heal. T'as pitié des ennemis. Nickel. Essuyez le sang. J'ai horreur. Du cerveau level 5, le jeton qu'on pourra utiliser. Il y a des jours, Crane avait clairement dit que le stress n'était pas jouable, c'est trop aléatoire pour tuer un ennemi, un Naosis. Oui, non, j'avais dit que dans l'état où j'en étais, c'était pas aléatoire et surtout pas quand t'avais une double compo. Là, c'est une compo de cheaté, quoi. On va pouvoir prendre ça. Cet objet est enfin entre mes mains. On va prendre de l'XP classique. 5. On va chercher. Ce sera ok. Donc maintenant, on est sûr de pouvoir faire notre ulti tour 1. T'as pensé à la strat contre le boss nain. Mais je pense qu'elle va être la même. Je pense qu'elle va être complètement la même. Elle va être un peu relou, mais elle va être la même. Je pense qu'elle va être pareille. Le but, c'est que je pose mes nuages partout et que je fasse bouger le boss. Et en plus, avec le 5% de chance de tuer les tourelles, ça peut passer. Ok. Bon, maintenant, on a un point. Faut qu'on sache ce qu'on va chercher.
aurait pu prendre ces deux-là quand même, hein. C'est un peu tard, mais... Il y a ça qu'il faudra que je prenne aussi probablement à un moment. Ils ont beau être immunisés au stress, ça change rien. Le but c'est de bouger le boss et ils auront quand même le 5% de chance de se faire tuer dans les trucs. Donc oui, ce sera pas... Mais de toute façon, les ennemis, je les tue pas en deux tours non plus, donc... je sais pas, on verra. On verra ce que ça va donner. Le sort one shot. À quel moment je veux l'utiliser par rapport à ce que je fais? À quel moment je veux utiliser le sort one shot? Par rapport à garder un potentiel full heal. Je vois pas, hein. Je pense pas. Hein. Donc Kourou, on a dit non. Ça c'est rigolo ça. Ça pareil, il doit y avoir un truc marrant à faire avec ça. Au cas où un ennemi dangereux menace de tuer quelqu'un, c'est vrai, ça peut. Mais ouais, je pense que mieux vaut garder le mana pour le reste. Donc les Banshee non, destruction, ça non. Eratus bien. Non, ça c'est avec sort de destruction. C'est avec sort de destruction, donc tout ça non. Non. Il y a ça qui peut toujours être un peu utile. Bon, vous savez quoi, je vais prendre. Je sais que le one shot est paré par les boucliers de magie. Je le sais. Citrinitas, Rubedo. Ok. Alors où on est? Quoi qu'on fait? Un serviteur gratuit, mais ça nous intéresse plus. Là, tout ça est pas très sexy, donc on va partir par là. Oui, si nuit est mort, tu perds ses morceaux. Ouais. Ok. Alors. Alors. Ah, j'ai critiqué, il a pas perdu son aspice. Ça après. Bon, ça c'est relou par exemple. Ça c'est très 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 relou. Ça c'est extrêmement relou. Ça c'est un potentiel d'utilisation du sort de heal non négligeable. Juste une fraction de mon pouvoir. Ok. Ok. Oh, celui-là s'est vidé en mourant. Au moins, lui nous embêtera pas. C'est bien de nouveaux matériaux. Le petit critique Méosef. Il y a rien que je peux faire pour la healer, non. Heureusement, il y a le 15% de heal, donc ça va aller. Et ben voilà. Parfait. Et oui, c'est un jeu de patience, c'est vrai. Hein. C'est un petit côté. Hein. Oh. C'est tellement bien, ça. Mais bon. Attends, on chope un million de trucs, quoi. On chope un million de trucs. Je crois qu'il y a un heal, en plus, pas très loin, à un moment. Donc deuxième liche level 7, donc on a dit l'initiative. Ok. Ouais, il y aura un heal ici. Donc pas longtemps avant le boss, c'est plutôt cool. Ça, on a un truc trop bien, ça c'est non.
je sais pas qu'est-ce que je voulais que je vous dise, tout ça, ça sert à rien. Il doit y avoir des trucs drôles à faire avec Destruction. Hein. J'accepte cette offrande. Ok. Ils sont plus puissants avec des objets violets. Si tu les craftes avec des objets violets, ils seront déjà full violets, mais après tu peux les crafter et leur mettre des objets violets. Ok, cette fois-ci, ils ont pas trop fait les relous. Hop. Non, il n'y a pas de niveau au-dessus du violet. Ce qui, comme je disais, est problématique parce que... Si déjà au niveau 2 t'es full stuff, alors qu'il y a 5 niveaux, il y a 5 mondes. Ok, ils ont dit que c'était lui qui allait manger, très bien. Tu connaîtras bientôt une nouvelle existence. Ok. J'en ferai peut-être. Ça, c'est très très bien. Ouais, j'espère qu'il y aura mieux que violet. C'est fort probable après. Hein. Ça semble logique. Hein. Ça semble complètement logique. Hein. Donc lui, il a sauté son tour. Tu veux bien bouger ou tu fais quoi? Je suis venu récolter. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Ok, cerveau niveau 4, toujours pas de niveau 6 pour le moment, ce sera probablement au niveau d'après. Donc on a lui qui est passé level 7. Du crit. On a vu que le crit était pas si dégueu, mais je pense que je préfère quand même l'esquive. J'attends des résultats. Ok. Est-ce que j'ai chopé des nouveaux trucs en violet? Je crois pas. Donc là, on veut ça. Ça, il m'en reste. J'en ai masse, j'en fais un autre. Admirez mon œuvre. Oh, un squelette nettoiera plus tard. Est-ce que c'était pas ça qu'il me fallait? Je perds la résistance. Je gagne de l'effroi, c'est pas mal ça. Ça me fait passer les 10 d'initiative. Je perds 2 de résistance, mais ça va. Le 6 d'évasion est un peu embêtant. Mais j'ai mes 2 d'initiative, un bonus d'effroi. Oh, vas-y, on va faire ça. Attaque sert à rien, résistance c'est dommage, évasion c'est dommage. Allez, vas-y. Comme ça, les deux ont 10. Et donc, il y a toujours lui, donc il faudra probablement changer. Et il faudra changer genre ça. Je vais voir si je peux pas. Ah, le parfum d'une alchimie réussie. Un d'hospice, c'est pas dégueu, mais je pense que je perds 5 d'évasion, 5 de vitalité. Mais je suis intéressé par perdre l'initiative. Et l'hospice, c'est toujours bien. Le 5 de vitalité, c'est pas trop grave. Mais bon, c'est quand même 5 de vitalité. Le 3 attaque sert à rien. Retente. On va faire un deuxième. Ce n'est pas la pierre philosophale, mais ça suffira. Non, il y a de l'initiative. C'est dommage, il était bien. Sinon, il est très très bien. Mais justement, on pourra le garder si on veut recrafter. Hein. Donc je vais lui mettre ça. Je pense que ça m'aidera beaucoup sur mes rotations. Un d'hospice en plus, c'est pas dégueu. Voilà, et tu tombes à 8. Donc 10, 10, 8, 8, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Donc on aura de grandes chances d'avoir des bonnes rotations.
Au niveau des artefacts, est-ce qu'on a un truc sympa à prendre là tout de suite maintenant? Non. Bah, let's fight. Ok, lui un peu relou. Eux vont buffer, donc je pense qu'ils sont pas trop trop dangereux. Tac. Bonjour. C'était bien. Faut bien que ça arrive de temps en temps. Faut bien que ça arrive. Donc lui a joué avant, c'est dommage. Du coup, on va attendre. Lui devrait se mettre dans une posture, donc ça devrait aller. Parade. Il fait sauter des auspices, donc tout va bien. Là, la posture comme je le pensais. Et en plus, il reprend du dégât, c'est gratuit. Là, on fait ça. Il n'a pas fait sauter sa posture? Non, parce qu'il n'a pas bougé directement, c'est les autres qui ont bougé. Ok. La décomposition, la corruption, l'oubli. Un par un, la vie quitte ce monde. Parfait. Il a pas crié, donc tout va bien. Il s'est bien passé ce combat. Il s'est plutôt très bien passé. Ok. J'aime bien quand il se passe comme ça. J'aime tellement. On a 3 points à dépenser. Qu'est-ce qu'on en fait? Là, dernièrement, j'ai pris ça. Ça sert à rien d'aller chercher ça. Nigredo, Albedo. Ok. Là, on a du heal. Alors, pour heal est quoi? Je ne sais pas. Ok. Donc là, ça fait pas trop peur. Là, vous avez vu, l'ordre, il est parfait, quoi. Et ça, c'est génial. Quand tu es devant un heal... Tu pourrais faire des dégâts à ta team pour le dernier perso. J'ai pas encore fini le jeu en hard, oui. Mais on va faire gaffe. Go finir la ville, t'es lâche. Merci beaucoup, Hugo Légion, pour les 11 mois. Merci, merci. Donc là, on va tirer ça. Déjà la démence sur deux persos. Bon, la marque est un peu relou. Plus sur le perso qu'il faut pas. Ok. Parade. Tu vas faire comment face à des golems, comme ils n'ont pas de santé mentale? Bon, on jouera différemment, mais ils mourront quand même. Bon, lui va me mélanger, ça va être relou. Non, ça va, ça s'est bien passé. Maître, pas bien. Du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de recast. Parfait. Ok, un petit dégât. Je pense que j'ai pas besoin de me heal avec le 15%. Combien il te manque? 18, 10%, 12 et 6. Non, normalement il sera full life.
Là, on veut juste le tuer. Et voilà. Ma volonté est la marée qui emportera vos pathétiques. Cerveau niveau 5. Bon. Alors, normalement, t'es bien full life, hein, oui. 106, 110, 106. Ok. Passer level 7. Qu'est-ce qu'on veut? On veut pas d'initiative. Cette fois, on a assez d'initiative. Donc, on veut ça. On veut ça. Prouve que tu valais l'investissement. Quel combat difficile, ouais. Donc là, on avait pris quoi? On a pris tout ça. À la limite, on peut prendre ça derrière. Mais bon. De toute façon, je sais plus quoi prendre. Tellement d'XP. Qu'est-ce qu'on pourrait... On a 199. On pourrait, à la limite, faire ça. Donc un golem d'os. On va faire un golem d'os et un d'empire. Un golem d'os. Ah, voilà à quoi ressemble la machine de guerre d'un nécromancien. Non, je veux pas le one shot. Les morts ne se reposent pas. Oh, je peux pas la voir. C'est la goule. Lige d'Empire. Il est plus simple de rendre ses ennemis malchanceux que d'être soi-même chanceux. Oui. Construit sur une fondation d'os. Bon, ça nous sert à rien. Quoique, pour les tours d'après, mais logiquement, non, je manque jamais de rage à partir de ce moment-là. Ça peut être utile. Ça, on peut pas améliorer. Ça va nous servir à rien. Donc, si, il nous faut ombre d'Empire. Ombre. Mes ennemis se noieront dans mon ombre. Hop. Ghoul, tu unlocks comment? Faudra farmer pour la ghoul, je pense. Les morts sont étonnamment doués en construction. Ok. Donc ça, c'est good. Donc j'ai dit qu'on avait un point à dépenser, mais je voulais le garder. Et là, c'est le boss. Donc le boss, on va changer l'item. Et on va mettre ça. Cela embellit mes traits. Et on va mettre morts vivants. Ça. Comme ça, on a deux heals, on a deux full heals potentiels. On a deux full heals potentiels, on n'utilisera pas notre mana pour autre chose, même si la bombe funigène, ça reste intéressant. On va faire ça. Fait des armures violettes pour amuser. Non, parce que je sais pas dans quoi je vais en avoir besoin, donc... Bah, let's go, hein. Au combat. Donc les stuns peuvent être embêtants, on va voir. Donc pareil, le tour est parfait. C'est un peu chiant de le buffer, mais... Pas de one shot. D'accord, enchanté. Donc là, ça fait sauter les auspices. Et ça buff. Il y a peut-être grande chance que je doive débuffer un moment. On verra. Ok, donc les 4 zones sont placées. J'espère qu'il restera de quoi réanimer.
Je suis venu récolter. C'est déjà tellement descendu, quoi, c'est ouf. Pas de tourelle qui se prend à 5%. Donc là, on est obligé de faire ça. Donc elle, son initiative, elle a fait un trombone roll. Oh, non, on va le faire maintenant. Espérant qu'il soit pas en position 2. Malheureusement, il est allé en position 2. On les one-shot, c'est pas ça pour le moment. Par contre, ça, c'est bien. Ah, et du coup, ça a pas marché. Si, ça a marché. Si, ça marche. Aucun one-shot de tourelle. Ah, j'ai rien dit. Un petit one-shot de tourelle. Quand même. 5%. Ça fait beaucoup plus que 20 tics qu'on a fait, là. Par contre, du coup, il a bougé derrière. Ah, mais ça a dépop entre-temps. Dommage. Ok. Vos corps faibles vous abandonnent. Est-ce que j'utilise mon heal en préventif ou pas? Sachant que de toute façon j'ai un heal à 0, il est perdu si je l'utilise pas. Un accident est vite arrivé. Juste une fraction de mon pouvoir. Bon bah voilà. La décomposition. Et c'est le léger. Et c'est le GG. Il a été beaucoup plus vite cet étage 2. Hein. On a eu 3 cerveaux niveau 5. On a eu du violet en ectoplasme. On a eu le logo du boss. C'est trop bien. Je sais pas si on a eu celui du niveau 1. Je crois pas. Ça s'est bien passé. Ça s'est très très bien passé. Et du coup, attends, fais voir. Donc là, on a le boss. On l'a pas eu, le boss du premier étage. Ça commence à se remplir. Hein. Il y a un moment, j'espère que je l'aurai rempli entièrement. Hop, on a 4 points à dépenser. Vas-y, on va faire ça. On va faire ça. La transformation libère. Je sais pas. Je sais plus où mettre mes points. Donc, ok, ok, ok. Et bah, ça fera une VOD un petit peu plus courte pour le niveau 2. Allez, on est toujours en hard. On a notre team cheaté. Ça avance, ça avance. On fait les bisous à tous les glous de YouTube. Merci d'avoir suivi ce deuxième niveau de cette run. On va voir si le niveau 3 sera aussi clément. Je sais pas, mais le niveau 2 s'est passé beaucoup plus simplement que ce à quoi je m'attendais. Voilà, voilà. Des bisous tout le monde et à bientôt. Ciao, ciao.